Du coup, bonjour pour l'épisode 6. Oh mon dieu, déjà 6 épisodes. Ah là là, on s'était laissé, on avait envoyé des médicaments à Luc. On s'était fait rejeter par sa soeur, par la soeur de notre pote qui est mort. Normal, normal, normal. Et là, on allait nulle part en fait. Il y a deux icônes qui viennent d'apparaître sur la map. On va donc s'empresser d'aller voir ce que c'est. C'est sans doute des trucs de mission, genre style GTA, tout ça. Il y a de la physique là-dessus? Ah ouais! Ah, il y a de la physique sur le bon jambon! Et il y a toujours la rivière de sang, quoi. Putain, ça, c'est un flot sans fin. Les abattoirs sont fermés, mais la rivière de sang est encore là. Enfin bref, prenez une voiture. Bien le bonjour! Ou le bonsoir. J'aime pas trop cette voiture. Non, j'aime pas. Attention. C'est quoi ça là? Pardon. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée. Maintenant que j'ai assez longuement réfléchi, ce n'est pas forcément une bonne idée d'essayer d'assassiner des nazis à coups de voiture. Mais ça c'est bien fini. On a pu s'échapper assez rapidement. Oula. C'est pourquoi la voiture des fois elle s'entrave. Bon, là on est dans un quartier chaud de Paris. Là il y a de la couleur, là on se fait plaisir. Là, apparemment, j'essaie de tuer un nazi sans me rendre compte. Apparemment, c'est peut-être suspect de prendre des voies piétonnes comme ça là. C'était un raccourci. C'est avec moi que vous êtes vénère, les gars là? Toi, je t'ai vu, t'étais vénère tout à l'heure là. Putain, culé. Tu fais moi le malin là. Un connard. Ouais, c'est ça, excuse-toi. Putain. Quelle bande d'enculés, ces Français, quoi. Oh. Pas d'armes à l'intérieur, mon mignon. Tu peux peut-être me les laisser? Tout ce que tu veux, poupée. Merci. Tu pourras les récupérer en partant. Ok, donc ici, nous ne tuerons pas de nazis. J'essaye sincèrement de les taper, mais je ne sais pas. C'est quoi ça? Ah, les verres, ils sont tellement propres qu'ils sont presque invisibles. Ça, c'est du verre, mec. Hey, Vittore! Qu'est-ce que tu fais là? Sean, je pensais qu'on aurait pu s'abriter pendant l'orage. Le sort, on a décidé autrement. Vous vous êtes fait prendre comment? J'ai été reconnu. Par un informateur. Une idée de qui ça peut être? Je n'ai pas de nom. Mais je sais qu'il a prévu de rencontrer un officier nazi en dehors du Bel. Je suivrai ce Bosch. Il nous mènera directement à la taupe. Oui, c'est le seul moyen. Une autre idée, peut-être? J'ai vu l'Allemand mettre une lettre dans la poche de l'indique. Avec cette lettre et l'uniforme de l'officier allemand, tu pourrais trouver ce traître avant qu'il ne récupère ses 30 pièces d'argent. Chez moi, on paie les mouchards avec du plomb. Ok, maintenant qu'on a été viril, on va tuer des gens. Est-ce qu'il est noir? C'est un tissu de mensonge. Je dois faire attention où je mets les pieds. Oh, mon dieu. Désolé. Petite interruption dans le programme. Que vous ne remarquerez pas. Mais. Oh mon dieu, je suis essoufflé. Ouh. Oh, rien que de le voir courir là, ça m'épuise. Bon, on allait trouver un général. C'est toi qui devrais payer. Tout le plaisir était pour toi. Elles sont pas chères les putes ici. Voilà. Non, on ne va pas être en mode suspicionné.
Ah ouais, pas cher, 10 francs. Elle se sous-estime un peu, à mon avis. Hein. Alors, je sais pas comment on fait pour marcher, tout simplement. Donc, ça va être saccadé et dégueulasse, comme d'hab. L'essentiel de la technique consiste à lui tourner le dos. Ah, ces phases de gameplay sont vraiment les plus passionnantes du jeu vidéo. Salut toi! Ça va? Ah, elle fait bonjour à tout le monde. Alors te voilà, espèce de sale rat. Votre salaire. Merci. Sortez de là maintenant. Quoi? Non, vous aviez promis de me protéger. Je n'ai rien promis du tout. Vous mentez! Ils vont me tuer! C'est quand même plutôt de sacrifice de pute, les amis. Mais quand je dis allemand, j'entends nazi. Dans les circonstances de ce jeu vidéo, ce ne sont pas des allemands. Oh, génial. Allez, voilà ta récompense, traître. Dépense surtout pas tout au même endroit. Calme-toi. Je me balade lentement dans le paysage et qu'est-ce que je remarque? Un éléphant géant. Allons voir ce qu'il y a dedans. Premier étage, rien du tout. Ou alors j'ai mal vu. C'est quoi ça? Ah, c'est... ah non, il y a un fusil là, c'est bien ça. Ok, fusil. Mais ça me fait plaisir, un fusil. Mais du coup, on ne part. Ouais. Tranche son arbre, voilà. Il me tente que grand-mère n'ait dit soit passé. Ah ouais, mec, il vient au bout de la rue, puis il va. Ouais, mais putain. Voilà. Et c'est compliqué de faire descendre des endroits à ce type. Putain, bonjour. Faudrait aller à la tour Eiffel, voir ce que ça donne. Mais c'est là en fait. Ah bah c'est là. Bonjour. C'est des lance-roquettes ça. tu vas me plaire quoi. C'est bon, t'es dans le game. Hein. Bonjour, monsieur Santos. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Je vois que t'es plutôt un homme occupé, l'Irlandais. J'essaie de pas bouger pendant le dialogue. Ce dont tu as besoin pour ta petite affaire personnelle. Ouais. Comme quoi? Tout ce que tu veux. Armes, munitions, explosifs. Je fournis tout ça à des hommes comme toi, discrètement, et à un prix très raisonnable. Bien, je suppose que tu ne prends pas l'échec. J'ai bien peur que non. Alors, dis-moi comment tu voudrais que je te paie pour ton matériel. En faisant de la contrebande, pardi. Il n'y a pas mieux que le matériel militaire allemand. Il y a des installations nazies partout dans la ville. Il te faudra des armes lourdes pour les détruire. Des explosifs peut-être. Mes vendeurs te feront crédit. Eh, c'est des bananes ? Tu peux préserver. Les officiers allemands sont une autre. C'est des bananes ? Contrebande. Évidemment. Non, c'est pas des bananes. Il faudra d'abord les tuer. Tu peux échanger ce matériel de contrebande avec mes vendeurs contre des armes, des munitions et. Je crois que c'est des bananes. J'ai des gars postés partout dans la ville, 24 heures sur 24. Laisse-moi deviner. Je vais devoir payer mon inscription à ton petit club. Eh bien, disons, une petite donation, histoire de couvrir, comment dire, mes dépenses. Considère ça comme un investissement sur ton avenir.
Mon ami Pierre, ici présent, te fournira quelques petits trucs pour commencer. Cadeau de la maison, bien évidemment. Comme si c'est cadeau de la maison. Marcheur, ok. C'est gratuit, on prend. C'est gratuit, on prend. Et connaître là-dedans. Ok, d'accord. Il n'y a donc rien du tout, ça fait plaisir. Partons. Là. Saboter la tour. Okay. Ah bah c'est juste là, on va monter par là. Ah ben, parfait. Ouais, mais de toute façon, t'es loin, tu triches. Il est sur le véhicule blindé. Moi je veux plus, voilà. Genre il est pas mort. Bon, 3 grenades ça ne suffit pas. La 4ème peut-être. Non, la 4ème non plus. La 5ème. La 5ème ça suffit. On se faisait tirer dessus, voilà. Échapper aux nazis. Il y a une moto là-bas. Il y a une planque. Elle est là-bas. Elle est là-bas, il y a pas. Raté. On y arrive, les gars. Voilà, c'est bon. Exactement ce qu'on voulait faire. Et hop, ah, c'est pas le même genre de plan. Exactement ce que je cherchais. On dirait qu'on les a perdus. Retournons voir Santos. Oh, arrête ça! What the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, juste quand t'es dans une suspecte, les gens te suspectent. Ça va, on pense s'échapper assez vite. Y'a pas de nazis dans le coin, ça va, c'est bien. Voilà. Ah, c'est quand même pas trop compliqué. Là. Genre, dans une suspecte, ça veut dire les gens te suspectent. Monsieur Santos. Moi bien, l'Irlandais. Moi bien. Le début d'une amitié très fructueuse. Tu peux faire. Ah bah si c'est très fructueux. Avec qui tu veux, dans toute la ville. Ok. Ok, bon, on va voir la mission. De nouvelles armes plus puissantes ont explosé vers Paris. Rendez visite au revendeur du marché noir pour les voir. Bonjour, monsieur le revendeur du marché noir. Ok, munitions. Ah ouais, genre, ok, tu peux pas acheter des munitions sans avoir l'arme. C'est plutôt relou, ça.
pistolet avec silencieux, c'est cool ça. Moi je veux ça. Il n'y a pas de trucs comme ça. Il n'y a pas des fusils sniper. Ouais, j'aimerais bien un pistolet silencieux, un fusil sniper. Bon, en attendant, on va faire comme ça. Ouais. Sur fusil sniper là-dedans d'ailleurs. Fusil de chasse, carabine. C'est quoi ça? C'est un fusil à pompe, c'est pas ça. Là, c'est un peu de la merde. Ok. Ouais, bon, c'est pas très intéressant tout ça. Lance-roquette, pas encore, bien sûr. Munition. Ça, c'est gratuit, on va le prendre. Non, pas là. Ah! Ah, désolé, j'éternue dans les vidéos, c'est pas professionnel, putain. Par contre, la capacité du pistolet. Ah, genre, tu peux améliorer tes stacks de munitions. Bon, on va prendre ça, parce qu'on a l'argent pour le prendre. Ok, bon voilà, on va partir maintenant. Et on va se laisser là pour le sixième épisode si je me trompe pas. J'espère que c'était cool. On va arrêter la première session de jeu, donc la prochaine fois qu'on va jouer à ce jeu. Mais genre ce sera pas aujourd'hui. Du coup pour vous ça changera, mais pour moi ça va changer un peu au niveau de l'intro, de l'ambiance, tout ça. Donc peut-être que quand je reprendrai, ben genre je ferai la gueule et je parlerai comme ça. Alors là, oui, aujourd'hui on va jouer à Saboteur, mais ça serait plutôt chiant, du coup on va essayer de pas trop faire ça. N'empêche que adieu. Et puis à plus tard.